Bonjour à tous et à toutes, chers viewers. Nous étions à Nancy, je n'ai toujours pas de compétences. Plus de munitions. Ça peut être sympa. Et en général, la vue d'attaque. Ça peut être. Subissez plus de dégâts lors des combats. Ah ouais, mais non. Subissez plus de dégâts, c'est mon mieux. Bah franchement, je vais prendre ça. Voilà, bon. Oula. Une fois ceci fait, nous allons continuer. Ah, bon, alors on va regarder. Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Très bien. Au Japon. D'accès à la balle. Il y a quelque chose là. Non, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est pas où je suis. Je vais prendre une mission. Je vais à l'arc, sachant que j'ai des munitions au pistolet. Hé quoi ? Ne me vise pas avec ce truc ! Oh hey, je crois qu'on y tire. Il n'y a personne. Genre j'ai tué tout le monde de loin. Allez. Je pense qu'il allait au moins rester, je sais pas, un ou deux, mais non, je sais pas. Si c'est comme ça. Hein. Je sens qu'il y en a d'autres qui vont venir. Je passe par où ? Bon, je sais pas. Mission. Ah bah, je suis plein. Hein. C'est par là, là, ce qu'il y a. Des jeunes. Des munitions. Enfin, non. Vu que je suis plein, ben. Il y a quelque chose, non. Là.
Là, il y a quelque chose. À mon avis, il faudrait pas juste. Je suis pas tout seul. Il en reste un autre. Donc on va plutôt passer par là. Vu qu'il est pas là. C'est pas possible, Milou. Ah, il est là. Alan, t'es foutu. Une pièce de l'ère Edo, frappée à la fin du XVIIe siècle. Difficile de savoir précisément de quelle épave elle peut provenir. Ouais. Dirais chinois ou japonais, ou... japonaise. Ah, j'étais bien, hein. Bon, ben... Pas 100%. 0% pièce ancienne. 100%. Ouais. Il y a plein de trucs que j'ai pas pris quand même. Allez. Je vais... Meurs. Mec, il résiste à 3 balles. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Excusez-moi. Par ici.
attaquer autre part que dans les zombies. Voilà. Il va ramasser. Ah. Ouais, je vous laisse. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. Sympathique. Oh, dans mon bouquin. Journal de la rage. Ouais, pareil. Bon, peut-être que je les retrouve au fur et à mesure, mais je sais pas si. Parce que j'en ai oublié. Aller par là. C'est rempli d'essence. Ah ouais. Sans déconner. C'est rempli d'essence. Et que ça sera plus facile. Pour la tour. Comment on va faire pour monter tout ça? Bonne son arme. Bien. Très bien, très bien. Non, parce que je sais que j'ai mis quelque chose.
Ah oui. T'as nulle part où aller, ma jolie. Qu'est-ce que... J'ai adoré te regarder bouger. Il tire alors qu'il est bien. Si, il prend une arme. Ah, t'as vu, il prend une arme de l'équipe. C'est pas mal. Achève-moi. Pitié. Va en enfer. Ah, j'aime pas. Faire ce truc avec moi. Faut pas des cheveux. Allez, il part, je suis jaloux. Ça nous fait une troisième arme. Ah, tu as 28. Ah, mais c'est possible, par contre, on a des munitions. Comme la dernière fois, on n'avait aucune munition. Voilà. On a des munitions juste après. Hop là, impeccable. Bon. Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Très bien. Eh ben, on va se laisser ici. Au pied de cette porte. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao ciao!